Créer une piscine dans son jardin passe par la pose de son revêtement. Sur une surface déjà étanche, on trace nos repères avant de préparer la colle mélangée à de la résine époxy, plus résistante à l'eau. C'est le long d'un trait central que nous l'étalons avant de beurrer le dos d'un carreau en pierre naturelle de Bali et de le poser. Les rangs suivants sont décalés. La pose sur les murs s'effectue de bas en haut et les découpes arrosées pour éviter la casse. Les derniers éléments collés, il faut maintenant traiter cette pierre qui peut être poreuse. Voilà pourquoi on la pulvérise de minéralisant en deux passes, ce qui la rend hydrofuge. Attention, ce n'est pas une étanchéité de piscine qui doit déjà être faite. Cette étape achevée, on termine le chantier avec des joints toujours époxy. Une fois le bassin rempli, la pierre de Bali devient un lagon vert d'eau.